Hola YouTube, ici Wookie88, comment est-ce que t'as? Perso, moi ça va, hein. Là j'attends que ma graille se fasse. Oui, je le fais plutôt que d'habitude l'enregistrement. J'en ai un peu marre de me lever à 3h de l'après-midi. Bref, nous voici donc aujourd'hui, encore sur Core Keeper, pour la 19e vidéo, il me semble. Sinon, hein, bienvenue sur ma chaîne, installe-toi et profite de mon gameplay divin. Ah non, c'est faux, hein, bien sûr. Eh ben, let's go, hein. On avait prévu quoi aujourd'hui? Oui, de la galaxite. Il me semble. Oui, c'est 40 de la galaxite. Il m'en reste que 18. Ah ouais. Bon, on va tester la foreuse, hein. On trouvera peut-être plus rapidement de... On va voir comment qu'elle se comporte dans le corail et tout ça. Venir, il m'en faut. Je voudrais une meilleure pioche pour faire le taf, quoi. Ouais, c'est bon, c'est ce qu'il faut sur moi. C'est bon, ça, je récupère le... Hop, le minerai. Oh, le feignant, juste pour pas s'arrêter, quoi. Oui, c'est le bon chemin. Oui, bah oui, de toute manière, j'ai juste à me laisser aller par le courant, on va dire. Oui, je vous épargne pas les yeux avec le voyage. Faut que je vienne récupérer de la fibre, j'en veux pas. On va s'arrêter juste là pour dormir dans le lilas. Ouais, histoire de faire un respawn, on va dire. Voilà. Si on doit respawn... à la base. Par contre, j'ai dû me refaire un wagonnet. J'ai perdu l'autre. J'ai perdu l'autre wagonnet. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah oui, bon, ça va quand même plus vite, hein. Elle va quand même plus vite, hein. Par contre, elle se consume vite, hein. C'est quasiment à la fin du renforcement que j'avais fait à la pioche. À la machine. Elle se consomme vachement vite, hein, la foreuse. We will rise up and we follow the path that we believe in. No
J'ai vu deux trésors. Un, deuxième. Ah, trois. Quatre. Voilà. J'ai eu chaud le popotin là. La vie a l'air pas mal. Surcharger quand même, hein. T'as mon inventaire, il est déjà full. En attendant que la poussière elle fasse son effet, on récupère la Galaxy Star. Quand même mal, hein, les crabes, hein. Pas dire le contraire, hein.
Graines d'anacroc, graines de corail, ça dégage. Un œuf loyal. Ah, aux oreilles pointues, c'est le renard, ça, je crois. Mais non, c'est pas le renard, ça. Ça doit être un souterrier, peut-être. Le yinche. Un peu, ça va un peu moins vite avec la pioche, hein, mais bon. Bon, on va repartir à la base de backup qui est la plus proche. Hein. Préparer à peu près au minimum le si on peut, si je peux réparer la foreuse. C'est pas ce qu'il faut pour la réparer, mais bon. On fera bien. Elle est pas loin la base. Hein. Voilà. Alors, réparer. 36 pièces de rechange. Ça fait un peu mal. Hein. Pour ça, si j'en trouve une autre, il faudra que je la garde. Alors, les objets de valeur. Hop, le fait, les minerais, on les fait cuire. Là. Ah, la galaxie, tu peux pas la faire cuire, hein, j'ai pas le bon four. Hop, objet de valeur. Objet de valeur. Objet de valeur. Valeur, des valeurs. Garder, on range. Des valeurs. Bon, on va les garder, on va les mettre à décorer ici. Graines d'anacrote, on garde. D'anacorte, on garde. Papaye, on garde. Ça, je sais pas qu'est-ce qu'elle me sert. Ça. Ouais. J'en ai pas des masses de corail donc je vais le prendre. Ah d'accord, c'est les pièces de réparation que j'avais sur moi que j'ai utilisées. Ok. C'est pas trop grave, hein. En attendant, je vais vérifier mes pattes, j'en reviens tout de suite. Voilà, je reprends. Hop là, je reprends. Bon, j'ai mis un peu plus longtemps, hein. La nourriture était prête. Mais je n'ai pas encore mangé. Là, bon, il y a des minerais à retirer. Bon, on va continuer.
continuer à fourrer. Hein. Par contre, là, la dernière recharge du truc écarlate. Hein. Pas mal. C'est vrai que monte là-bas. Je crois qu'avec le feu, je détruis le loot. Et ici, on traverse, on passe ici. Quelque part. Ah oui, voilà. Hop, nickel, on a pas exploré ici. Partout que je vois des minerais pas trop loin, j'y vais à la perceuse. Ah, du moins les minerais, j'y vais à la perceuse. De récupérer des points là. Un point ici. Sur la pointe des pieds, 4% d'augmentation de la vitesse de mouvement pendant une courte durée. Bon, on va dire oui. À 0. Vitalité 0, 0. Un point jardinage. 5% de nourriture en mangeant des plantes ou de la nourriture cuisinée à base de plantes. Ok. Voilà. Je vais encore oublier les points et puis je vais les faire comme d'hab en. Comment dire. Hors enregistrement et puis ça va me. Je peux pas des fois récupérer un peu de minerai là de. Oui, je peux récupérer.
Bon, attends, on n'a pas fini d'explorer la deuxième partie là qu'on a récupérée. Hein. Là, on n'a pas fini. Avec 12 octarines. Je vois de le récup. Ah, c'est un coffre. Terry de Jarplin. Et ma tante, depuis tout à l'heure, je me trompe de minerai, moi. Depuis tout à l'heure qu'il faut que je prenne moi. Brave. Ce ne sera pas perdu. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Oh là 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 là. À bulle 93 113 niveau de l'objet 12
166-202, mais il est renforcé. Ok, on part à la maison. C'est là mon chemin. Voilà. Et on a quand même eu un peu chaud la cocotte, hein. Hop, on se repose. Il faut vraiment que je gêne, hein. En plus, il va falloir faire deux allers-retours pour tout ramener. Ouais, il faudrait vraiment les portails, hein, mais ça coûte cher à faire. Bon, c'est vrai que ça doit être utile quand même, mais bon, si on en faut deux pour une destination... à mon avis, ça doit être des machins reliés. À mon avis, pour faire un trajet vers ici, il en faudrait deux. Pour faire un trajet vers le coin d'herbe verte, là, il en faudrait deux autres, et ainsi de suite. Ça revient cher en minerai, hein, à force. Alors, on va faire cuire tout ça. Ouais, tout ce qu'on veut, hein. Ok, ah, c'est bon, en plus, plus rien à cuire. C'est toute la déco, hein. Je sais pas si ça me servira vraiment, mais bon. On va redescendre la première partie. Et je vous reprends. A tout de suite. Donc voilà. Alors bon, j'ai gruyéré encore tout le coin. Hein. Comme d'hab, j'ai récupéré tous les coffres. Ceux tout à l'heure. Première partie. Récupérer l'écarlate. L'octarine, pardon. Donc je les ai ouverts avec les clés, mais j'ai pas encore regardé dedans. Hein. Je fais ça ensemble. Alors, topaz. Ok, on s'en fout, ça on vend, ça on vend. Ok, suivant. Lunettes de soleil. 7% de chance de skiff, ok, à virer. 4 barres d'octarine. Fibre à virer. Perle de bulle à virer. Non, ici pour des lunettes, bombe, pièce d'or change. Le coffre en fer, 16 pièces, 3 pièces d'or change, 4 barres de fer, 24 pièces, anneau du garde forestier, masque de garde forestier, 3 pièces mécaniques, 5 bombes, 4 écarlates. 20 pièces anciennes et 10
Yannick, les écarlates, maillet en écarlate. Cap de chasseur. Bras mécanique, fibre, bombe. Chute de cérémonie. Ok. Là, virer quelques trucs. Dans le dernier coffre. Là. On va virer en même temps. Vers ça, ça, la place. Voilà. Le dernier coffre. Masque de garde forestier. Feuille fossilisée. Médaille caverneuse. Le spécial et la fibre. Ok. Spécialement, pas spécialement de trucs super intéressants. Alors, la perle de bulle, objet de valeur. Oui, objet de valeur. Médaille caverneuse, objet de valeur. Filet de soleil, ouais, bon. On va sceller. Anneau de garde forestier. On va regarder dans l'ensemble ce que ça donne. Et. Mécanique. Vraiment le coup, le truc phrase là. Hein? Anneau de topaz, 23% de dégâts miniers. 10% d'armure. 4. Alors, 21 de vitalité. 7 de 3, 17 de dégâts à distance. Une roche, 13 armures. Yeah. Je vais enlever le celui-là d'armure. Camini à la place. Voilà. Est-ce que je fais une bêtise possible? Masque du garde forestier, cape de chasseur. Ok, ça c'est de nouveaux trucs. Ah, et le masque on le vend. Le deuxième. Voilà. Belle. Ensuite, on range les pièces mécaniques. Le maillet. Et en faire 36,34 et celui-là 37,57. Okay. Il commence à être bien chargé le coffre. J'ai une mercenaire. Enlève les bombes. Voilà. Je vais stocker les trois trucs là. Bon, je m'en crois spécialement pour y vendre. Hop. 393. Ah oui, je suis tombé. Par contre, j'ai oublié de remettre le règle tout à l'heure.
Je suis tombé, vous savez, sur ce qu'on, les, le nouveau mob qu'on est tombé sur l'épisode de la veille. L'épisode précédent, je veux dire. Je suis tombé dans un nid 2. Un nid 2. Enfin, j'ai ramassé ce qui les fait pop. Hein. Ça, bah. J'ai une nouvelle ferme. Par contre, il faudrait que je fasse un peu le nettoyage là-dedans. Il y a un peu trop de mobs qui viennent d'arriver. Je peux pas les taper si j'ai ma couronne. On va se recharger parce que là on va rentrer les méchants qui font mal. J'avais cru qu'il y avait un robot avec eux. C'est une seule torche par enfin, ici ça sert à rien, ils me les enlèvent. Oh, je remettrai les sols fondiques. Voilà, nickel. On la vase. J'ai pas encore trouvé la vase bleue, hein.
deux clés écarlates, on va les garder. Hop, fait. Les pièces orange. Hop, fait. Range. Facebook souffle, on va aller le ranger. La viande de l'arbre, ça dépend. Hop. Parfait, voilà. Et on va ranger en partie les champis. J'en ai un peu trop sur moi. De hop, voilà, et quel est-ce qu'on est bon? Ah oui, l'œuf que j'ai mis à cuire. Bon, je pense que c'est un souterrier. Un nouveau souterrier. 13 de dégâts. Ils vont pas se baser là-dessus. 5, 5, 7. Et level 7. Un niveau 5, 5, 7, 7. 1. Rien de les garder tous, hein. J'en virerai deux, hein, des souterriers. Et je vais les mettre. Je vais le faire au fur et à mesure, tiens. On va prendre un beau coffre pour les stocker. Un beau coffre en écarlate, tiens. Voilà. Alors. 7. 7. Oh ouais. 5, niveau 5. Bientôt passé niveau 7. Elle. Pardon. Oui, j'ai oublié que je fasse des foreuses. Oui, un minerai. Bien, la vie d'en faire 8 des foreuses, mais bon, ça va faire 2-3 après. Un moteur. Câble électrique. Pâte foreuse. Carrément de la grosse foreuse. Voilà, parfait. On va aller installer. Bah oui, on y va ensemble, hein, ce coup-ci. Et j'ai joué pendant presque 2 heures, là. J'ai un petit peu trop avancé. Enfin, non, j'ai pas avancé. Mais bon, vous avez raté une prairie que j'ai trouvée. Ah, la prairie, je suis bête. J'ai fait aussi ça tout à l'heure. La prairie.
Comme j'ai vu deux animaux, il faudrait que je fasse deux boîtes. Ah, une boîte. Ah, deux boîtes, je verrai bien sur place après. Pour faire du steak de vache. Élevage. Établi d'élevage. What? Ah, on peut pas les stacker. Mon inventaire il est déjà presque full. J'ai encore rien. Il faudra entre temps hein, parce... j'ai trop dans l'inventaire. Oh, il me faut un peu modifié sur le trajet du retour, récupérer tous les minerais en mode flemmard. Les deux qu'on va croiser, je passe juste à côté. J'ai pas besoin de m'arrêter. Ah, j'ai été trop loin, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Hop! Pas le bon chemin. Voilà. Tac, tac, tout en bas. Prendre. Tourner. Ah. J'ai pas fait de rail jusqu'au enfin, de demi-tour au niveau du cuivre là-haut. Le premier arrêt ici, vers l'écarlate. Et le chemin que j'ai refait après. Un autre écarlate. Vrai que j'ai sorti les grosses foreuses. Juste la langue que j'ai oublié de faire. Oh, pas super grave. Alors, ensuite le. Bon, je n'ai pas continué le trajet. Le trajet. Ok, je vais le faire. Le faire un peu avec vous. C'est déjà il y a déjà un minerai là. Pas de vite hein, la machine. J'aurai suffisamment d'écarlate et de fer, je ferai que des foreuses en écarlate. Elles sont beaucoup plus puissantes hein, logique.
Alors le chemin là, il mène jusque jusqu'au mignol là, le qui est planqué là, dans la baraque là. Voilà. Alors, c'est ici que non, c'est là que j'ai récupéré. La petite ferme là. Hop. Hop. Oui, j'avais déjà posé les machines là, puis bon, là j'avais pas de terre pour. Ah bah les revoilà les machines. Et ces enfoirés, je vais vous montrer hein. Ces enflures là, ils te balancent un truc, ça t'immobilise. Large. Et là, je suis coincé. Voilà. Ah, zut, une espèce de fronde pour m'immobiliser. Voilà. C'est de nouveau encore. Reine de. On va lire avec l'autre là qui se met dessus.
Donc, bon, toi tu dégages là, parce que c'est tout, je ne vois plus rien. Dégage. Alors, tu lis plus vite. Hop. Bloque-moisi un morceau de moisissure vide. Cap de chasseur, je l'ai. Ok, herbe, je garde. En bon tir. Carrosse, carotte. Ah non, carotte, je garde. J'en ai pas beaucoup des graines. En vitesse. Des nouveaux monstres là-bas encore. Et de se faufiler un peu là-dedans, histoire de verrouiller un peu la zone. Ouais. Ouais, à mon avis, c'est avec de la galaxie là. D'accord, il y a des pieuvres. Tentacules. Et des caverneux. Ah d'accord, c'est là-dedans que je suis ralenti. Bien trouver du minerai, voir ce qu'il y a là-dedans. L'air d'avoir. Et on est encore en bas des bestiaux là. Vache, il y a du monde ici. Ouais. Aucun peu. Et à quoi là-haut? Ah, c'est des blocs de béton. Il y a du monde. Ah oui, c'est là-dedans que je suis. Place. Ok. Il y en a certains, on les voit pas, ils se planquent. Rien trouvé.
pas moi que... Ah, c'est vrai que... Directement on fait un chemin comme on raille. Hop, nickel. Passage vérifié. Raté ça. Ok. Avec mon wagon. Je crois qu'on va arrêter à côté du deuxième écarlate. Bon, bon on n'a pas fait des masses de trucs aujourd'hui. Et bon. On a découvert de nouveaux trucs. Pas encore un nouveau lieu. Des trucs qui se croisent pas. Et bon, je verrai. Je vais faire fondre les trucs là. Il faudra quand même que je décide que j'aille chercher de la galaxie parce que sans ça je ne pourrais pas faire la meilleure pioche. La table l'établi donc je peux vraiment avancer au niveau des armes et tout ça. Il faut des bons outils. À la maison, on va faire fondre tout ce qu'on a. On range, on vend. Ou qu'il y a le désert. Enfin, qu'on aille fouiller vraiment au niveau du truc à corail là-haut. Très bien que je trouve de la vase gluante, comme ça je pourrais faire le détecteur d'Azeos là. Là je tourne en rond là-dedans, j'arrive pas à trouver exactement où est-ce qu'il peut être planté. Peut-être qu'on est juste à côté, hein. Peut-être que depuis deux ou trois épisodes on tourne autour sans le voir. Mais bon, généralement, les boss, on entend quand ils sont dans les coins. Alors, graines de carotte. Graines qui ne poussent que dans la moisissure. Ah. Bon, j'en ai récupéré un petit peu. Voilà. Graines d'avoine brûlée. Luminescente, ça... Et de là, on va aller les relâcher. Il doit avoir faim les bébêtes, hein. Ça fait un bout de temps que j'aurais pas remis à boire un croy. Oui, ils peuvent sortir là. J'ai pas fait gaffe. La graille là-dedans. Piment. Ah. Entier. Quelques graines. Ah.
Belle bébête en plus. Très bien qu'ils se reproduisent. Et ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est faire tout propre ici. Autour de la stèle là, mettre un plancher propre autour. Et pour ça, il faudra que je décale, que je déplace un peu ma base. Que je coupe au moins la moitié, c'est ça qui va être chiant. J'ai fait trop près là. Faudrait que je coupe, à moins que je coupe là. Et non, ça, il faut que je passe au moins jusque là, donc faut à la moitié de la, les trois quarts de la cuisine. On va voir ça, peut-être la décaler vers ici, la cuisine en grande partie, enfin. Je sais pas encore, c'est beaucoup de trucs à faire, hein, c'est beaucoup à faire d'un coup. Alors, là il y a de l'or qui cuit. Dieu, l'or est cuit. Hop, vert. On met là le on met la suite, on récupère. Hop. Hop, nickel. Ah, parfait. Je ne mets plus les cailloux dans le grand coffre, comme ça je peux tout transférer d'un coup sans être obligé à chaque fois de récupérer les cailloux. Une de jardinier caverneux. Gardez un, l'autre je le vends. Hop, nickel. Ah, j'ai oublié de ramasser du sol là-bas. Et pas grave. On va pas mourir. Hop, on vend le lait. On vend ça, on vend ça, on vend ça, on vend ça. Ah. Ah. On vend ça. Parfait. Parfait, parfait, parfait. La dalle. Oh, mais qu'un brutix ! Hop. Stock vert, on les range. Ah. Alors, c'est un peu le bordel dans l'inventaire. Ça, je le garde, le filet. Ah, je vais le stocker, j'en ai pas spécialement besoin. Puis c'est vrai que j'oublie beaucoup là les insectes, donc tellement grave encore. La pelle, on la garde bien entendu. La foreuse, on la garde. On va quand même réparer tous les outils. Hein. Ah, les vas-y, il faut stock. Réparer. Voilà. Hop, parfait. Ça. Ça c'est fou. Attendez, on va enlever un peu d'animaux. On va juste en garder le renard, toujours. Et c'est qui le...
Oui, t'as encore un peu faible, c'est mieux que je te garde de côté. Peut-être te faire évoluer, monter vous deux. Hier là. Pantalon de mercenaire. Vitalité. Pas pour les détails. Voilà. 51 essence, c'est une pièce, un truc, mine de 20. Alors, on va régénérer d'abord avant de partir. Quel par contre le sirop de cerise à moitié chaud là. Ouais, je ferai peut-être ça de mon côté là, le décalage de décalage de la base et tout ça. Enfin, du moins tout ça là, le faire propre. Pense que je le ferai sûrement hors enregistrement. Ouais, on va rester là. Je le ferai. Alors, par contre, je n'ai pas besoin de tout ce que j'ai sur moi. Donc, on se prend un coffre. Hop. Et on se met ici. Voilà. Alors, je n'ai pas besoin du marteau. Je n'ai pas besoin de la hache. La pioche. On n'est pas spécialement besoin. Moi aussi, je la garde. Le bâton boule de feu, j'en ai pas besoin. La foreuse, j'en ai pas besoin. La pierre, les torches, non. Le pain, oui. Ah, j'en ai deux, des bâtons boules de feu. Pour ça que j'ai un peu de base. Je me dis, mince, trois torches, moi. Maintenant, quand on lui parle, on a l'impression qu'on l'ennuie. Le souterrier, j'en ai pas besoin. La pelle, oui. Ça, oui. Non, ça, non. Je ne prends pas du tout de nourriture. Ah, si, un peu. Voilà. Voilà. Garde juste et là sur moi. Là, on fera tout un, je ferai tout un truc propre. La base, elle va être décalée. Point de. Je pense que je vais peut-être laisser l'heure là. Je pense que je le ferai au moins jusque là, donc il faudra que je décale la base de 3. Faut le mur avec. Avec
C'était pour, comme je vous avais dit, c'était pour essayer de faire un système automatique de récolte de bois, mais je suis nul là-dedans, donc. J'ai pas cherché dès que ça a commencé à merdouiller, j'ai dit, ah, c'est bon. Je laisse tomber, je cherche pas, j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. Stocker dans le tiper le truc, voilà. Non, ah, donc la base elle sera décalée. Ça là, je l'enlèverai, ou non, je l'enlèverai pas, je mettrai du plancher à la place. Je ne sais pas qu'est-ce que je mettrai comme plancher, ça, je verrai bien. Peut-être un plancher couleur pour ici, un autre couleur pour ici, une couleur ici, et puis en général le grand là, je sais pas. Je sais pas encore. C'est donc cette session qui se finit sur Core Keeper. Qu'avez-vous pensé de la perf? Si vous avez apprécié, ce serait cool de lâcher le petit abo, le petit pouce, le partage, le commenter. Et commenter, pardon. Des trucs classiques sur une vidéo, quoi. C'était donc Wookie88 en votre compagnie qui vous dit à la prochaine. Des bisous à toutes et tous. Bye!